Salut, on est au début du mois de décembre 2023 et Thomas Rivière vient de quitter Original Comics et Original Manga. Voilà, générique. Donc par rapport à cette information très triste, hein, je réagis juste à la vidéo où il fait ses adieux. Déchirant. Alors c'est un personnage qui a été plutôt, un personnage, c'est une personne réelle qui a été. Il y en a qui l'adulent, il y en a qui le trouvent un peu controversé. Moi je trouvais que cette vidéo, c'était too much, vraiment, parce que le mec c'est un libraire, avant tout un gérant de magasin qui a la passion du comics. Hein. C'est vrai que son magasin Original Comics, c'était pas mal pour les exclus, les trucs comme ça, plus à partir de 30 € l'expédition à 1 centime quoi, donc pratiquement gratuite. Et sa vidéo, je la mettrai en lien en dessous. Je sais pas ce que j'en ai pensé. Après les commentaires, il y en avait qui étaient bons, il y en avait d'autres qui étaient un peu plus partagés. Et moi, ce que j'en dis, c'est que on va voir comment se passe la gestion. Après, j'ai pu voir un truc dans les commentaires qui m'a fait rire où les frais d'expédition sont passés de 1 centime à 10 €. Bon, à voir ça pour de vrai. Je pense qu'il faut attendre hein, parce que là, il y a un échange de gestion et tout ça. Après, j'ai jamais mis les pieds dans le magasin physiquement, mais j'ai acheté quelques trucs chez lui et je trouvais que c'était réglo, bien expédié, il faisait bien le job quoi. Après, en ce qui concerne la personne, je la connais pas. Par contre, il y a des trucs qui m'avaient gêné sur ses vidéos où il avait viré des gens, où des fois il leur parlait un peu sèchement. Après, il y a tout sur internet, hein. Il y a des mecs qui vous mettent des commentaires qui sont pas très sympas, il y en a qui sont plutôt cool. Après, j'ai eu des retours de 2-3 potes qui sont allés directement au store et des fois ils l'ont rencontré, ils ont trouvé une personne qui était complètement froide. Après, ça arrive, hein, les bons jours, les mauvais jours, c'est dur d'avoir une librairie en ce moment et tout ça. Bon, tout ça pour dire que. Tant mieux, il y en a qui ça fait de la peine, il y en a qui ça réjouit, moi ça me fait rien. Hein. Si Original Comics ils remettent leur politique de. On vous envoie pour 30 €, on vous met la truc à 1 centime, ouais, par contre, s'ils mettent 10 € de frais de port, c'est hors de question. Hein. Je préfère autant commander chez le libraire qui est chez moi actuellement, où il peut m'avoir tout ce que je veux sauf les trucs les plus rares, ou voilà, mais des frais à 10 balles, ouais, faut pas rêver, moi je prends pas. Bon. Voilà, parenthèse refermée, mais je voulais vous en parler parce que c'était vraiment marquant dans l'actu comics, hein, qui est un petit monde, un petit microcosme, surtout quand on voit le nombre d'abonnés de certains youtubeurs, on se demande comment ils vont chercher autant de monde, parce qu'apparemment le comics ça s'intéresse pas ou peu. En tout cas, il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis sur le comics, comme quoi c'était sous-estimé dans les ventes et tout ça. Alors moi j'en sais rien, je suis pas libraire, hein, je suis juste. Un utilisateur, un client lambda, hein, voilà, moi, il y a des séries que j'aime bien, j'en ai peut-être un peu trop, hein, vous voyez, les étagères Cliploa, tout ça, la collection X-Men, bon, c'est toujours un peu dur. Bon, tout ça pour vous dire, vidéo un peu à la cool, là, je suis un peu mort parce que je suis encore sous le Covid, mais vous voyez ce qu'il y a rien, je comptais pas faire la vidéo avec le masque, sinon ça aurait été inaudible, voilà. J'ai du retard dans les vidéos, hein, parce que, bon, comme j'ai eu la crève pendant une semaine, j'ai pas bossé pour une semaine et je suis resté. Au lit à me refaire une santé, quoi. Hein, voilà. Donc, lecture. En ce moment, s'il y en a qui me suivent sur Instagram, je suis plutôt sur le Hellboyverse. J'ai fini BPRD en enfer et je suis en train de finir un mal bien connu, hein, ce qui est la fin du Hellboyverse dans. Pas sa continuité, mais dans sa temporalité, on va dire. Hein, c'est-à-dire que là, ça marque une fin, un mal bien connu, ça n'empêche pas. Qui est des Hellboy qui sortent, 17 et 18, qui reviennent sur des épisodes précédents. Voilà, donc la vidéo de la semaine prochaine, elle sera soit dédiée à Hellboy, soit dédiée à King Conan. King Conan, si j'arrive à récupérer l'omnibus. Voilà. Et donc, je voulais vous parler, moi, aujourd'hui, de la continuité Bloodshot, parce que j'ai lu ces gros bébés pendant à peu près 2 semaines. Ah, ça fait une pile de bouquins, je peux vous dire que là, il y en a pour quelques kilos et tout ça. Soit dit en passant, je viens de recevoir mon colis de la braderie de Bliss. Et il y a eu tromperie. Je pense qu'ils se sont trompés de commande parce que c'est. Rien de ce que j'ai commandé n'a été reçu. J'ai reçu la commande de quelqu'un d'autre. Donc s'il y en a un qui s'est trompé de commande. Oh, voilà, bon, je laisse Bliss faire ça. Voilà, donc je vais commencer le botshot. Alors, je vais scinder ça en deux parties. J'ai déjà fait une vidéo vite fait sur Instagram. Celle-là, je vais la faire un peu plus propre, je pense. Hein. Et donc, je vais commencer, comme on dirait, par le début, par le commencement. Alors, à savoir,
Comment j'ai découvert Bliss Comics et surtout les comics Valiant? Je crois que c'était Chris Comics X-Rays ou Marvel, un des deux, qui avait fait des vidéos sur Valiant et ça m'avait intéressé. Donc les premiers que j'avais achetés, bah, c'était les XO. Les 3 tomes, je les ai eu pour 150 balles sur eBay. Maintenant, le tome 2, il est introuvable. Donc il n'a pas été réédité, je crois. Il n'a pas pu être édité. Bon, enfin bref. J'arrête là, donc je vais vous parler de Bloodshot, l'intégrale numéro 1 sur les aventures de Bloodshot de 2012 à 2014. Alors, très bon, j'adore le dessin, tout ça, c'est très bien, bon, il y a eu plusieurs dessinateurs. Le seul défaut que qu'a cette intégrale, c'est que ça fait doublon avec l'intégrale Harbinger. Donc vous retrouvez un peu des choses d'Harbinger et des choses de Bloodshot dans les deux intégrales. Donc bon, après, c'est pour avoir des histoires complètes, donc c'est plutôt bien conçu. Bloodshot, c'est absolument un peu comme le film, sauf que le film, bah, il est naze. Et le comic, c'est vachement mieux. Et donc, bah, ça commence Bloodshot, le projet Rising Spirit, les psiotiques. Donc, au début du livre, il va libérer des psiotiques, des enfants qui sont torturés pour et qui sont maltraités pour qu'ils puissent développer ses pouvoirs de psiotiques. Hein, c'est la condition au départ pour créer des psiotiques, c'est de les torturer atrocement pour voilà, que le cerveau. Fasse quelque chose. Donc bon, Bloodshot, qui était une machine à tuer, qui était un chasseur de psiotiques, maintenant va les libérer parce qu'il s'est découvert une conscience. Bon voilà, donc ça c'est ce qu'on suit dans l'intégrale 1, après il revient au projet Rising Spirit, après pour d'autres raisons. Voilà. Donc après celui-là, on a The Valiant, qui était vendu en pack avec The Book of Death pour faire découvrir l'univers Valiant. Et alors là, là vous voyez la géomancienne qui est ici. Tous les gentils de tous les héros de l'univers Valiant se liguent pour la protéger, elle, parce que la géomancienne, celle qui représente l'énergie de la Terre, et qui est opposée à un très gros antagoniste que tout le monde va essayer de battre. Et voilà, à la fin, bah, fait quelque chose à Bloodshot, parce que Bloodshot, c'est un super soldat où il a plein de petits robots en lui qui lui permettent de se régénérer. Et donc, elle va faire quelque chose par rapport à ses nanorobots. Voilà. Ensuite, après ça, la suite. Après The Valiant, ça sera. Alors moi, je les ai en un volume à chaque fois, mais il y a eu un volume Bloodshot Reborn en intégrale qui est sorti. Alors, donc ça, c'est la suite après The Valiant, Bloodshot Reborn, Bloodshot Reborn 2, le 3. Et mon préféré, Bloodshot Island. Alors ça parle de quoi? Donc dans les Bloodshot Reborn, Bloodshot n'a plus de nanites, mais il sent leur appel. Et ces nanites, elles sont allées sur des gars qui ont des prédispositions à la violence. Et donc il va halluciner, il va voir des choses. Et ces choses-là vont le mener finalement aux gens infectés avec les nanites qu'il va récupérer. En affrontant les autres de ces nanites. Donc finalement, on lui avait enlevé les nanites pour qu'après, il les reprenne dans l'arc d'après, quoi. Ce qui est bon. Après, c'est bien amené, il y a une bonne raison, même si ça sent réchauffé, scénaristiquement parlant. Bon, ça se tient un petit peu. Ensuite, Bloodshot USA, ou celui-là, on peut le suivre comme un popcorn. Donc la team des Bloodshot survivants qui était sur la Bloodshot Island vont devoir affronter un grand danger. Les nanites se sont échappées, elles ont infecté plein de monde. C'est le gros bordel sur New York, et donc ils vont essayer de contrecarrer les plans du projet Rising Spirit et essayer de résister à Deathmate, qui est une tueuse de Bloodshot. Voilà. Donc ça, c'est dans la continuité après Bloodshot Reborn, Bloodshot USA, qui est très sympa. Et donc, on pensait qu'il y aurait une fin. Et non! Et non, et non, parce qu'on continue à exploiter Bloodshot. Et donc ça continue avec quel titre? Ah, attention. Bloodshot Salvation. Donc là, on est plutôt dans les années 2017-2018. Bloodshot a une famille. Il a fondé une famille avec Magic, il a une petite fille, et cette petite fille, bah, finalement, elle a des nanites, elle est infectée par une nanite. Donc s'ensuit une quête avec Ninja qui est Shadowman pour essayer de la sauver. Et voilà, ils y arrivent. D'anciens antagonistes reviennent, et donc là ça traite de Bloodshot, de la protection de sa famille, comment il va faire, et il sera toujours considéré comme une arme, comment il va gérer ça avec sa famille, ça on va le voir directement dedans. À mon sens, c'est là que ça commence un peu à baisser un peu dans le scénario,
Et c'est dommage parce que bon, c'était Jeff Lemire. Jeff Lemire, il a un truc avec la famille, ce que me disait mon pote Solstar. Jeff Lemire, il s'intéresse beaucoup à la famille dans ses scénarii. Et ouais, je dirais pas que c'est du mauvais Jeff Lemire, mais je trouve que en les ayant lus tous d'un trait, ça commence à sentir réchauffé et ça revient toujours pareil en fait. Après, c'est pas une mauvaise lecture, hein. Je dis pas le contraire, mais je dis que ça a été moins bon que Bloodshot Reborn. Voilà. Et donc après, là, ça part totalement en couille avec la série de 2019. Bah, en couille. En cacahuète, en sucette, en purée de petits pois verts. Donc, Bloodshot, la série de 2019, en 3 tomes. Tome 2. Tome 3. Alors pourquoi c'est moins bon? Bloodshot, il est récupéré par une agence d'anciens espions qui s'appelle Les Brûlés. Et donc, il doit tout faire pour sauver finalement les gens qui se font chasser par les différents gouvernements qui tuent ces espions. Et donc, Les Brûlés, c'est un peu les rebelles. Sauf que derrière ça, en fait, il y a une tentative de dominer le monde d'une certaine manière ou d'une autre. C'est pas totalement désintéressé. En plus, on va passer du coq à l'âne parce qu'il y a eu une armée du gouvernement profond, alors je ne suis pas trop compliqué, très très biblique, ils ont tous des noms à peu près bibliques, qui chasse Bloodshot. Bloodshot, à un moment, il se met aussi les cramés à dos, puis il joue sur les deux tableaux, c'est comme si c'était un agent double, il essaye de sauver Imciotti qu'il avait chassé auparavant, et puis voilà, pour la libérer, et puis après, elle revient dans cette armée-là et tout ça, en fait, tout ça pour dire que tout ce qu'il fait, ça sert à rien et ça empire les choses, et le scénario, mais il est absolument pas recherché. En fait, on se fout de la gueule du monde, quoi. Là-dedans, cette série, elle est très très mauvaise, très très bien dessinée, mais alors très mauvaise. C'est joli, mais c'est nul. c'est déjà arrivé dans certains comics. C'est joli, mais c'est nul, comme dans Batman Damned. C'est beau, mais c'est nul. Voilà. Bah, c'est que mon avis. Hein. Il y en a qui ont dû adorer le scénario de Batman Damned, mais moi, je trouvais que c'était tiré par les cheveux. Quoi. Et donc, le dernier Bloodshot en date, Unleashed. Oula. Donc c'est le gros bordel, c'est toujours la continuité, hein, c'est pas un remake, c'est pas un reboot, si c'est un reboot commercial, mais on va dire que ça garde les acquis, ça garde l'idée de la famille, tout ça, qu'on voit très très peu d'ailleurs hein, dedans, et ça pourrait plus être un titre d'horreur qu'un titre action, parce que Bloodshot, il finit éventré, écartelé, massacré, c'est de l'horreur, c'est un comics gore quoi, comics horreur gore. Peut-être pas au niveau de Crust, où c'est sacrément dégueulasse et dérangeant. Mais bon, là, c'est le dernier qui est sorti. Je crois qu'il est sorti cette année. Ouais, c'est... Bah, rien que ça, je crois que c'est la couverture régulière. Ouais, voilà, ça donne le ton. Il se fait tout arracher, tout ça. Ça, c'est la collector. Moi, je suis les hulles de chez Bliss pour les projets et tout ça. Donc, voilà, moi, je prends toujours les collectors. J'aime bien... Ou parce que je suis un pigeon, ou parce que j'aime bien les variantes cover et que je suis un pigeon. Voilà, donc là le scénar, pas trop cherché, hein. Il y a des mecs qui s'évadent, des anciennes armes secrètes, un peu comme des Bloodshot, mais autre chose que des Bloodshot, et Bloodshot va se taper avec eux, voilà. Le scénar, il n'a pas la prétention d'être complexe, hein. Et puis on lit ça pour suivre les aventures de Bloodshot, mais on va pas dire que c'est très très bon, hein. C'est même pas du popcorn, c'est du gore en fait, c'est du gore, c'est pas vraiment d'intérêt. Et depuis quelques années, les séries Valiant ça va pas. Je vous ai déjà parlé d'Ixo Manowar, la série 2020 qui était vraiment très nulle par rapport à ce qu'on avait pu avoir sur certains scénarios, Venditti ou d'autres scénaristes qui étaient très bons. Là, Ixo c'est nul en fait. Les seules bonnes séries Valiant qui sont sorties récemment, c'était Shadowman, parce que Shadowman, c'est plutôt bien amené et c'est dans le monde. Dans le monde des esprits, dans le monde des démons et tout ça, c'est toujours très intéressant, mais à part Shadowman, Bloodshot et Ixo, c'est une purge à lire. C'est... Encore Bloodshot, c'est rigolo, si vous prenez le gore au troisième degré, ouais. Par contre, Ixo, là, c'est un vrai reboot et c'est naze, quoi. Rien de ce qui a été créé sur Ixo avant a été gardé, c'est... Ouais, c'est un reboot, mais un mauvais reboot, et c'est dommage. Alors là, Valiant aux États-Unis, ils ont été rachetés il y a un ou deux mois, par je sais plus quelle maison d'édition, Alien, quelque chose là, donc on va espérer qu'ils vont réembaucher de bons scénaristes et pas juste essayer de faire vivoter la licence avec des trucs un peu nazes quoi.
Voilà, c'est tout ce qu'on espère pour Valiant, parce que Valiant, c'est pas mal, ça proposait une réelle alternative à DC et Marvel, même si je trouvais que c'était un peu woke sur les bords, genre Docteur Tomorrow, c'est ultra woke, et moi je suis pas spécialement fan des trucs ultra woke. Hein. Je pense que Sullivan Roux, lui, il aime bien ça. Il aime bien ça, il a un bon mérite, Sullivan Roux, ouais, c'est de nous avoir amené les Tortues Ninja, et puis après, bah, ça dépend des sensibilités de chacun. Après, j'émettrai aussi quelques réserves quant à iComics, quand on propose du Scott Pilgrim pour 80-90 balles pour 3 gros mangas dans un coffret. Ah ouais, c'est un bel objet, mais voilà. Bon, par contre, les tortues, ouais, les tortues, je suis toujours fan. Je suis aussi un gros pigeon parce que j'ai acheté les intégrales et j'ai prêté tous mes Tortues Ninja à un pote et qui m'a dit, ouais, j'ai adoré, nickel. Bah voilà, t'as lu 19 tomes, il les a lus tous en une semaine. Il a eu du courage, il était bien. Il était bien, il a bien kiffé les tortues. Là, les tortues, ça commence à bien marcher. Chez Vestron, ils ont sorti quelques trucs. Il faudra que je me les procure, les derniers, là, notamment le script du film et tout ça. Les tortues, c'est vraiment un truc que je vais suivre chez ces deux éditeurs-là, parce que j'aime bien les tortues. En Urban aussi, s'ils ressortent un Batman Tortue Ninja. Là, il y a un Power Rangers Tortue Ninja 2 qui est sorti aux États-Unis, qui devrait être édité par iComics. Plus la série Power Rangers qui continue, hein, et il y a eu aussi un Kickstarter, il y a un pote qui m'a envoyé un truc sur Kickstarter sur la Power Ranger Pink. Oh, ouais, j'ai pas trop lu, ça m'intéresse pas trop. Power Ranger, j'ai toute la collection, mais j'ai pas encore tout lu, donc à voir, le temps me manque pour tout ça. Bon, enfin bref, c'était des considérations un peu personnelles. Dites-moi vous, bah, ce que vous avez lu ces dernières semaines et tout ça. Si vous êtes hypé pour une vidéo sur Hellboy, ou si vous préférez une petite vidéo review sur King Conan Colossal! Voilà, bah, vous me direz ça dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end ou une bonne semaine, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo.